Nous sommes sur cette dernière rencontre inspirante, mais non la moins inspirante des rencontres, avec Sophie Graziani. Bonjour Sophie. Bonjour Hugo. Comment vas-tu ? Ça va bien. Ça va bien ? Mm-hmm. J'ai une question pour toi. Quel est ton jeu de société préféré ? Je pose toujours une petite question pour commencer à faire connaissance. Alors, ce n'est pas forcément la pire, effectivement. Celle de tout à l'heure était plus compliquée. Je joue régulièrement à des jeux de société avec mes enfants. Je suis très bon public. Donc quels sont leurs jeux de société préférés? C'est un peu eux qui choisissent. Non, mais même le Uno, les jeux basiques comme ça. Tant qu'on passe un bon moment en famille. Oui, exactement. Et qu'on évite un peu les jeux vidéo. Oui, mais j'aime bien faire un petit peu de Mario Kart aussi. Je comprends. Je jouais à ça avec mon père quand j'étais petit et il tombait toujours sur les ponts et tout. Mais moi, je suis pas très douée. Ils sont contents, ils gagnent forcément. Donc. Voilà, nous, ça nous faisait beaucoup rire. Donc, Sophie, tu es la cofondatrice de Hoc Consigne. Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est Hoc Consigne? Oui, Hoc Consigne, on développe la consigne de bouteilles en verre. On réinvente. On réinvente, exactement. On réinvente quelque chose qui existait il y a 30 ou 40 ans. Et donc, on développe le réemploi des bouteilles en verre sur l'est de l'Occitanie, d'où le nom Hoc Consigne. Et on fait en sorte que les bouteilles en verre, du coup, ne soient plus à usage unique. Et ça fonctionne comment, du coup? Est-ce que vous êtes juste sur le traitement des bouteilles et que vous récupérez, ou est-ce que vous mettez en place des points de collecte, ou c'est quoi votre activité spécifiquement? On fait tout. Tout ça. Tout ça. Tout ça. Toute la filière. Donc on existe depuis 2020. C'était une association initialement. On était beaucoup d'abord sur un travail de sensibilisation, de convaincre les vignerons, les brasseurs, convaincre les magasins pour se lancer. Et depuis l'année dernière, on a fait évoluer l'association vers une société, on est une SCOP, donc une société coopérative. Et depuis donc, l'an dernier, on a démarré l'activité opérationnelle. Donc on continue la sensibilisation. Une grosse partie du travail, c'est aussi d'accompagner les producteurs pour qu'ils aient des bouteilles compatibles avec le lavage. Donc à la fois des bouteilles standardisées, de bonne qualité, des étiquettes qui se décollent au lavage, enfin, plein de petits détails techniques qui changent tout. C'est-à-dire que si on ne les met pas en place, ça ne fonctionne pas, la bouteille n'est pas lavable. Donc on ne peut pas récupérer toutes les bouteilles qu'on recycle aujourd'hui. Et du coup, ça veut dire que, par exemple, ce qui est utilisé aujourd'hui comme bouteille par les vignerons, par d'autres industries, ce n'est pas adapté aujourd'hui à la consigne, du coup, il faut réadapter ça. Si certaines fonctionnent, et justement, du coup, on a fait un travail avec tous nos collègues en France, parce qu'on est de nombreux projets de développement de la consigne en France. Nous, on est en Occitanie, mais il y en a d'autres un peu partout. Donc avec ces 10 projets, on s'est mis d'accord sur des bouteilles compatibles avec du lavage, qu'on standardise. Mais c'est des bouteilles qui sont déjà sur le marché. Ce n'est pas des nouvelles bouteilles. D'accord. Et donc, c'est celle-là où vous vous êtes dit, OK, c'est ce type-là de bouteille qu'on va pouvoir... Oui, mais on a un type bourguignonne, un type bordelaise, un type pétillant, jus de fruits, etc. Enfin, il y a quand même une gamme très large. Mais aujourd'hui, il existe des milliers de modèles de bouteilles. Et on voit qu'il y en a des très particulières, comme celle-ci, par exemple, qui peuvent poser problème parce qu'on ne peut pas se retrouver à récupérer des milliers de modèles pour faire ensuite des lavages d'un modèle unique. Sinon, on ne peut pas les identifier. Donc, il y a un gros travail d'accompagnement des producteurs. Ensuite, d'installation de points de collecte, donc dans les magasins, dans les cafés, hôtels, restaurants, dans les domaines, etc. En tout cas, mettre en place tous les circuits pour pouvoir collecter le maximum de bouteilles possible. Et ensuite, de manière tout à fait concrète, opérationnelle, on collecte ces bouteilles, on les lave et on les remet en circulation localement. Mais on les lave où? Eh bien, c'est ça la question. Voilà, on les lave où? Eh bien, pour l'instant, il n'existe plus d'usine de lavage de bouteilles dans le sud de la France. Ah oui, plus du tout. Plus. Donc la plus proche est dans la Drôme. Donc au démarrage, on est allé laver du coup dans la Drôme, chez nos collègues de Ma Bouteille s'appelle Reviens. Et par contre, pendant toute cette année, on s'est attelé à mettre en place notre usine de lavage. Donc on a lancé les investissements, on a lancé plein de choses qui font que fin novembre, on va recevoir les machines. Et début 2023, l'usine de lavage devra être en place sur la métropole de Montpellier. Et donc, vous aurez votre usine ici, à côté de Montpellier. À côté de Montpellier. Et du coup, vous maîtriserez l'ensemble de la chaîne de traitement du verre, donc pour récupérer les bouteilles, les laver, les redistribuer derrière. Exactement. On maîtrisera toute la chaîne et sur une zone assez vertueuse, en gros 200 km autour de la laveuse. Mais comment ça s'est passé, ça, initialement? Parce que tu disais que vous étiez une association au début. Et pourquoi avoir lancé cette association? Ça vient d'où? Tu faisais quoi, toi, avant?
Moi, je faisais alors absolument rien à voir. Je travaillais en agence de communication et avant, j'ai travaillé dans le développement touristique d'un territoire en région parisienne. Donc, les bouteilles de vin, c'était juste le soir à l'apéro, quoi. Voilà, c'est ça. Ça me parlait à peu près comme ça. Ouais. Donc, non, c'était loin de mon univers professionnel. En revanche, j'ai voulu faire un pas de côté. Donc, je travaillais effectivement dans la com. Et j'ai souhaité arrêter pour prendre du recul. Et il se trouve qu'il y a eu le Covid qui arrive à ce moment-là, en fait. Donc, ça tombait parfaitement bien. J'ai commencé à mettre un doigt dans l'engrenage aux consignes. En gros, je leur ai fait signe. Donc, c'est à vrai dire un précédent porteur de projet. Donc, c'était en 2019. Et je lui dis voilà, je suis dans la com. Si je peux être utile au projet, bénévolement, bien sûr, parce que j'imagine qu'il n'y a pas d'argent, je serais ravie de le faire. Donc, c'est comme ça que j'ai mis un doigt dans l'engrenage. Quand ça a été repris ben voilà, par mes deux autres collègues, donc on a repris l'association ensemble. Et pareil, moi, je pensais rester en électron libre et aider le projet avec mes compétences de base, qui étaient plutôt marketing, communication, mais pas plus. Et en fait, on s'est assez vite rendu compte que l'aspect communication était essentiel au projet et qu'au-delà de ça, le développement de partenariats, le développement de plein de choses autour du monde que je connaissais au départ était très utile au projet. Donc, j'ai foncé tête baissée, j'ai arrêté tous les autres projets, etc. Et j'ai... Mais c'est ça, en général. En général, on dit, bon, bah, si je peux filer un coup de main, ok, j'ai des compétences. Et puis au final, ah, on se fait entraîner dans la chose. Et puis là, bah, tu te retrouves ici en tant que porte-parole de Hoc Consigne, qui est devenue une SCOP. Ouais, et du coup, c'est quoi une SCOP? Une SCOP, c'est une société coopérative, du coup, qui est détenue par ses salariés. Donc, au départ, on est trois cofondatrices. Et progressivement, tous les salariés qui rentrent en CDI dans l'entreprise, au bout de 1 à 2 ans, peuvent devenir associés s'ils en font la demande. Donc c'est un moyen déjà de se dire que l'outil de production appartient aux gens qui y travaillent. En revanche, il n'est pas possible d'avoir des investisseurs extérieurs. Enfin, on peut en avoir un pour trois. Donc généralement, il y a assez peu de financiers, assez peu d'investisseurs extérieurs. Donc ça amène une certaine indépendance aussi. C'est un problème quand on est en phase de levée de fonds comme on est aujourd'hui, parce qu'on a quand même besoin de trouver des financements, des prêts, plein de choses. Donc on a vraiment besoin de monde pour investir dans notre entreprise. Mais on n'a pas les mêmes outils qu'une entreprise classique. C'est volontaire. On ne pourra pas non plus la revendre. Mais par contre, on sécurise cette entreprise qui perdurera au-delà de nous, parce qu'elle sera en permanence prise par les salariés. Et d'où est venu le choix justement de passer d'une association à une SCOP? Est-ce que en fait, vous êtes dit, ben, comme on va commencer à recruter des gens et qu'en fait on a une activité d'entreprise, on va se transformer en entreprise? Ou alors est-ce qu'il y avait vraiment des choses qui n'allaient pas avec le format association, qu'il a fallu changer le statut de l'organisation pour pouvoir justement pallier à certains blocages? Vraiment, la principale raison, c'est qu'on devait commencer à investir. Donc, on devait lancer des prêts. Et donc, on a fait des prêts auprès de 5 organismes financiers, en l'occurrence. Et c'est vrai que pour prêter à une association très jeune, c'était compliqué. Et on était moyennement crédible pour faire un outil industriel de cette envergure-là. Donc, il a fallu qu'on se transforme en société pour cette raison. On serait bien resté association un peu plus longtemps. Aussi, ce qui est vrai, c'est qu'en association, il y a aussi beaucoup de bénévoles, il y a beaucoup de gens qui donnent leur avis sur plein de choses. Et au bout d'un moment, il faut aussi qu'on adopte une stratégie. Et à la fois, c'est indispensable, ça l'est toujours, indispensable d'écouter ce dont ont besoin les producteurs, les distributeurs, les grossistes, les collectivités locales, enfin tout le monde. C'est très utile qu'on l'entende. Mais on s'est dit, il faut aussi qu'on prenne en main notre propre stratégie. Et de toute manière, on n'a pas le choix, puisqu'il faut investir. Donc, on se transforme en SCOP. Et quels pourraient être les moyens à l'échelle nationale particulièrement qui pourraient accélérer en fait le développement de la consigne? Est-ce que vous seriez capable aujourd'hui de faire face à un afflux une hausse de l'activité si les gens commençaient à plus utiliser la consigne et si c'est possible en termes de capacité à absorber cette nouvelle activité, comment faire en sorte que les gens arrêtent d'acheter du verre qui va être jeté, cassé et après peut-être retransformé ou je sais pas quoi. Mais donc comment on accélère la consigne et le développement de la consigne en France? Ça, ce serait un vrai bon problème si on était submergé par les bouteilles. En fait, ce dont on aurait besoin, c'est une vraie volonté nationale de pousser le réemploi. Aujourd'hui, enfin, ça fait
des années qu'on a investi, je dirais, dans le recyclage, qui est indispensable, puisque le recyclage du verre, en plus, se fait très bien, mais n'est pas du tout sobre pour l'environnement. Donc je vais pouvoir dire les chiffres, hein, je reviendrai dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a un gros investissement sur le recyclage qui est très aidé par les collectivités au niveau national, par différentes taxes qui sont fléchées, enfin je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui sont fléchées sur le recyclage, ce qui est très bien, il faut continuer à recycler. Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait une volonté politique de réorienter quelques aides vers le réemploi, qui est une pratique plus vertueuse que le recyclage. Et est-ce qu'on a un peu la même dichotomie, entre guillemets, qu'on a entre l'efficacité et la sobriété, par exemple, où le recyclage, en fait, on essaie d'être efficace avec les ressources qu'on a, et le réemploi et la consigne, c'est plus la sobriété, parce qu'on va pas refaire, mais on utilise la même chose, en fait. Le recyclage, enfin, je pense qu'on s'est tous retrouvés devant le point de recyclage à se dire, mais pourquoi je casse cette bouteille alors qu'elle est en bon état? C'est quand même un peu une aberration, le point de départ. Donc, et surtout que c'est cassé, après c'est concassé, ça devient du calcin en 1000 morceaux, et c'est chauffé à 1800 degrés pendant 24 heures, non-stop. Et on réinjecte forcément du sable. Au minimum du minimum, c'est 10% de sable, mais ça peut aller jusqu'à 90% de sable, selon la couleur des bouteilles. Ça, c'est beaucoup de sable, parce que c'est transparent et qu'on a du mal à faire du verre transparent avec des bouteilles recyclées de couleur. Puisqu'en France, on ne sépare pas par couleur de bouteille. Donc on chauffe à 1800 degrés, 24 heures, du sable. Et donc forcément, on imagine bien toute l'énergie que ça utilise. On imagine moins l'eau, mais en fait ça utilise énormément d'eau pour refroidir ensuite. Et donc l'ADEME en 2018 a fait une étude pour comparer le recyclage au réemploi. Et ça indique que le réemploi utilise deux fois moins d'eau que le recyclage déjà. C'est également moins 79% d'énergie utilisée pour le réemploi et un bilan carbone, nos émissions de CO2, moins 76%. Donc on voit bien que les chiffres, enfin, ils parlent d'eux-mêmes. Et encore une fois, c'est surtout pas à dire qu'il ne faut pas recycler. C'est quand on n'a pas le choix, il faut absolument le faire. C'est complémentaire. C'est complètement complémentaire. D'abord, on réemploie tout ce qu'on peut réemployer et le reste, on le recycle. Et nous-mêmes, il y a des bouteilles ensuite qu'on ne peut plus remettre sur le marché. S'il y a des micro-fissures, des résidus de saleté qu'on n'enlève pas, ça retourne au recyclage, bien sûr. Donc en fait, c'est ajouter, enfin c'est pas ajouter, c'est retirer du recyclage des bouteilles qui en fait pourraient être réutilisées. Et pour ça, en fait, ça demande aussi de développer de nouvelles, une nouvelle filière. Donc on en parlait tout à l'heure, c'est et des comportements aussi. C'est-à-dire que la consigne, ça se repose beaucoup sur les comportements des gens. Est-ce qu'on va faire l'effort d'aller ramener la bouteille derrière? Et comment on peut inciter les gens aussi à faire cette démarche-là? Alors ça, c'est une vraie question. Là, il y a un tiraillement. Tous les projets en France ont des pratiques différentes. On n'arrive pas à trancher ce qui est le mieux. Par exemple, quand on met de la consigne monétaire en place, ça veut dire qu'on augmente, par exemple, de 50 centimes la bouteille en rayon. Donc, pour le pouvoir d'achat, surtout en ce moment, c'est un souci. Parce que tu augmentes le prix de vente, et du coup, évidemment, les gens vont récupérer leurs 50 centimes. Mais ceux qui ne les rapportent pas, s'ils n'ont pas tilté que c'est possible de le faire, ben, ils perdent 50 centimes. Ce qui est assez demandé plutôt par la grande distribution, qui freine un peu, enfin, ils sentent qu'il faut y aller, mais ils ne savent pas trop comment y aller, parce qu'ils ne sont pas obligés d'y aller, il n'y a pas de contrainte légale d'aller dans cette direction. Ils disent peut-être qu'il faudrait faire une gratification, par exemple, ne serait-ce que 1 ou 2 centimes par bouteille, comme c'est le cas pour les bouteilles en plastique. Actuellement, tu peux amener ta bouteille en plastique, elle est broyée en paillettes, et ça donne 1 ou 2 centimes. Donc ça, c'est une idée. Donc ça, c'est-à-dire qu'on prend nos bouteilles en verre, et quand on les ramène, on a quelques centimes cadeaux. Voilà, ça peut être 1 ou 2 centimes. Mais là, on est uniquement dans l'aspect financier. Nous, là aussi, on s'est basé sur une étude de l'ADEME qui indique qu'il y a deux types de consommateurs. Il y a les consommateurs, vraiment c'est très caricatural, hein, qui ont plutôt dans la grande distribution, il y a plutôt une notion de pouvoir d'achat derrière et d'être efficace dans ses pratiques de consommation. Et il y a des consommateurs qui vont plus consommer autrement, aussi en biocoop, dans des magasins de ce type-là, mais pas que, aussi dans des filières différentes, dans des AMAP, dans des... Voilà. Et qui ont plus le choix de consommation et qui, sont plus éco, voilà, qui font le choix. Voilà. Et du coup, qui ont un geste. Donc nous, on est parti dans cette direction pour l'instant. Donc c'est un geste, un apport volontaire. Donc il n'y a pas de gratification financière. En revanche, ils savent, donc on essaye que les magasins communiquent sur combien de bouteilles ils ont, grâce aux consommateurs du magasin, il y a tant de CO2 évité, il y a tant... Voilà, ça, on essaye de donner ces indicateurs. Mais pour l'instant, c'est de l'apport volontaire. Donc on réfléchit, si on cherche des systèmes de gamification, on en parlait tout à l'heure. Donc si vous avez des idées, on prend toutes les bonnes idées pour aider les gens
à passer de l'intention à l'action, puisqu'il y a 88% des Français qui indiquent qu'ils sont pour le retour de la consigne, quand même, pour le réemploi des bouteilles. 88% qui sont pour, mais combien le font vraiment ? On est dans des magasins où on est depuis un an, je pense qu'on est autour de 40% de retour. D'accord. Qui commence à être correct. C'est pas mal. Mmh. Et puis après, ça doit s'ancrer dans les habitudes des gens aussi. Ça passe par avoir un espace à la maison ou un sac où on ramène les bouteilles, à le savoir où est-ce qu'on peut les déposer. Et j'imagine aussi que la hausse du nombre de points de collecte aide aussi derrière à faire cette démarche. Mais pour que ce soit plus simple, il faut que ce soit le plus simple possible. Et le plus simple possible, donc nous on a aussi mis en place des choses pour que ce soit assez simple à identifier en magasin. Donc on a mis en place plein d'éléments de communication. Là pour le coup, c'était bien que je sois dans l'équipe. Donc on a fait un peu un parcours consommateur. Donc visible à l'entrée du magasin, visible en rayon, des encadrements de prix, des choses, des stickers sur les bouteilles, enfin plein de choses qui font qu'on ne peut pas les louper et qu'après, on sait qu'on peut les rapporter. Et aujourd'hui, vous êtes à combien de bouteilles collectées environ ? Donc on a démarré il y a un an. On est à moins de 100 000 bouteilles, je dirais, en tout. Sur l'année ? Sur l'année, ouais. En fin 2021, on était environ à 20-25 000 bouteilles. Là, sur le reste de l'année, j'avoue que je n'ai pas les chiffres exacts, mais on est à moins de 100 000 bouteilles. Ok. Pour toute l'année, sachant que notre objectif, c'est ça que tu allais demander. Exactement. C'est quoi les prévisions ? 100 000 bouteilles par mois. Par mois ? Collectées, lavées. Et là, on commencera à être à l'équilibre économique. Ok. Et du coup, oui, c'est ça, parce que pour l'instant, vous êtes en phase. Bah, surtout, vous avez investi pour cette usine de lavage. Et d'ailleurs, cette usine, elle peut accueillir combien ? Ce nombre-là, 100 000 par mois ? Oui, sans problème. Ce sera même très peu de jours de lavage, en réalité. C'est une machine qui va laver 3500 bouteilles par heure, donc qui est extrêmement performante. Et ensuite, donc, avec tout un circuit de lavage et d'inspection qualité. C'est en sortie de lavage, on n'imaginait pas revendre des bouteilles qui n'étaient pas parfaites. Donc on s'est doté d'une machine qui est plus chère que la machine de lavage, qui est une inspectrice qualité. Donc elle inspecte les bouteilles vides, les ausculte électroniquement, avec plein de caméras. Et ça indique, ça vérifie qu'il n'y a pas de micro-fissures, de résidus, de saleté, etc. Donc là, ce qu'on peut dire, hein, de manière haute et forte au plus grand nombre, c'est on peut accueillir toutes les bouteilles que vous voulez. Envoyez-les nous et mettons en place des points de collecte et juste commençons vraiment à mettre en place la consigne parce que déjà Hop Consigne peut les accueillir et peut les laver et puis ensuite c'est dans tous les cas environnementalement c'est beaucoup plus respectueux et ça va dans la bonne direction pardon. Oui, tout à fait, c'est vraiment ça. Il faut juste qu'on rapporte les bonnes bouteilles, quand même. Parce qu'il y a des gens de très bonne volonté. Je pense vraiment à certains magasins Biocop où il y a des personnes qui arrivent avec des caddies entiers, mais de plein de bouteilles qui ressemblent à une qu'on accepte. Et ça ne marche pas. Ouais, et justement, sur ce nombre de bouteilles différentes, est-ce qu'il y a un moyen ou est-ce qu'il y a quelque chose à faire, justement, pour avoir une standardisation des bouteilles ? Oui, effectivement, j'en ai pas parlé, mais c'est important. Je ne sais pas si on l'a dans le diaporama. Il y a un picto qui existe, qui a été créé aussi il y a un an au niveau national. Donc, ce n'est pas le logo Hop Consigne. C'est un élément comme le logo AB ou autre qui indique que la bouteille est réemployable. Donc, parfois, c'est un peu caché sur la contre-étiquette. On a certains producteurs, encore une fois, je ne sais plus si on les voit ou pas, qui ont mis très en avant cet élément-là. Donc c'est un picto, c'est une sorte de flèche en forme de bouteille. Donc une fois qu'on l'a identifié, toutes les bouteilles que vous voyez avec ce picto-là, même si elles ne viennent pas du Languedoc, en fait, c'est vraiment ça l'idée, vous pouvez les rapporter. Ah, voilà, on voit la bière de la Jonte, là, à gauche. Ah voilà, le picto, là, on le voit, qui est sur le fond blanc. Donc, sauf qu'il s'est écrit « rapportez-moi ». Parce que je me souviens de débats qu'il y a eu pendant la loi climat en 2021, notamment sur quand on parlait de la consigne, où il y avait des députés qui se faisaient les porte-parole des producteurs de vin, de champagne, etc., qui disaient « Nous, c'est impensable qu'on fasse de la consigne, parce que nos bouteilles, c'est notre identité. Et donc, nos bouteilles de ruinard, c'est une forme particulière, c'est du ruinard, et ce sera pas différent. » Est-ce que, du coup, c'est grave s'il y a ces quelques... j'allais dire snobs qui ne veulent pas avoir les mêmes bouteilles que les autres ou est-ce que en fait on peut généraliser complètement même s'il n'y a que quelques marques qui décident de ne pas suivre.
Oui, bah, franchement, le champagne, on n'en parle même pas, parce qu'il y a aussi beaucoup de contrefaçons. Donc le champagne, c'est vraiment une question qui n'est pas du tout à l'heure du jour chez eux. En revanche, du côté des vignerons, on pousse à aller vers des bouteilles standardisées, pour toutes les raisons que j'ai indiquées avant. Par contre, c'est vrai que s'il y a un vigneron qui sait qu'il peut capter dans son domaine 100 000 bouteilles par an, et qu'elles sont suffisamment solides et compatibles quand même techniquement avec du lavage, et sous réserve que l'étiquette se décolle, etc., on peut aussi faire du lavage à façon uniquement pour lui, même s'il n'est pas en bouteille standardisée. La sémillante là, qu'on a, qu'on voit sur toutes les tables, qu'on adorerait laver, parce qu'elle est très très belle, elle est très lourde, mais bon, on ne les connaît pas, à vrai dire. On n'a pas le temps de démarcher du monde parce qu'on est sursollicité. Parce que ce que tu disais, c'était vrai il y a un an et demi. Aujourd'hui, le discours du côté des vignerons a un peu changé, parce qu'il y a une vraie pénurie de bouteilles en ce moment. Okay. Dû à quoi ? Il y a eu l'effet Covid, okay, où les fours ont été non pas arrêtés complètement, mais ils ont été mis en très très ralenti. Et la guerre en Ukraine, qui fait que le gaz, parce que c'est des fours à gaz, qui chauffent donc le verre. Et donc il y a une... Donc ils ne peuvent pas le mettre à plein régime. Donc il y a une accumulation, en fait, il y a du retard, etc. Et donc là, la consigne devient intéressante. Et du coup, voilà. Et en plus, du coup, le prix des matières explose avec l'énergie qui explose. Donc autant vous dire qu'on est sollicité quasi quotidiennement par des vignerons, mais qu'on n'a pas le temps de répondre aujourd'hui. Donc ça, c'est aussi un vrai problème, parce qu'on n'est pas assez staffé pour l'instant. D'accord. Mais ça va venir. Donc on recrute, on recrute, on recrute. Donc en ce moment, nos deux priorités, c'est recrutement, vraiment. Et on en parlera peut-être après, mais on a aussi lancé une campagne de titres participatifs. Ah, vas-y, cette campagne, c'est pour lancer quoi ? C'est pour lancer l'usine ? C'est pour, recruter le staff ? C'est pour, ouais, exactement. Ouais. C'est pour lancer tout ce qui a lancé tout le développement qui est en ce moment. Donc, c'est, comme on est en INSCOP, on ne peut pas faire de levée de fonds classique. Donc, on a lancé des titres participatifs. C'est comme un prêt, en fait, qui nous est fait. C'est de l'argent bloqué pendant 7 ans. C'est des parts, enfin des titres d'une valeur de 1 000 euros. Et ensuite, avec une rémunération entre 1 et 5% par an. Donc, c'est comme les particuliers ou les entreprises peuvent nous prêter. Et on vise 150 000 euros. On a déjà atteint, on a justement communiqué aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on a atteint le premier palier de 50 000 euros. Un tiers déjà. Déjà un tiers. Formidable. Ouais. Hein. Qu'objectif, 150 000 avant décembre. Eh bien, j'espère que vous allez les atteindre. Hein. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Et encore une main dynamique que je vois se lever au fond de la salle, c'est incroyable. Quelle énergie ! Bonsoir, merci beaucoup. Merci du coup pour cet exposé. J'avais deux questions. La première, c'était justement par rapport à l'intéressement en termes de changement de comportement chez les consommateurs. Pour avoir vécu en Allemagne pendant un certain temps, c'est vrai qu'ils ont quand même un savoir-faire, une expertise en ce sens. Est-ce que vous envisageriez par exemple d'aller faire une sorte de voyage d'études ou d'observation pour contacter, je ne sais pas, le Lidl de Berlin qui, du coup, a mis en place ça depuis quelque temps, ou bien même sur les consommateurs plutôt Biocoop, etc., de voir en fait comment ils font, parce que moi, j'étais agréablement surprise de voir qu'il y a effectivement tout un dispositif, voire même un séquençage où on scanne les bouteilles et hop, ça part sous forme de bons et on peut réacheter soit des bouteilles, soit de la nourriture. Ça, c'était la première question. Et la deuxième, c'était qu'en est-il des obstacles, c'est-à-dire en fait, voilà, des forces contraires à votre démarche. Je pense par exemple au lobby du plastique ou bien peut-être dans une moindre mesure les flaconniers. Comment vous travaillez ou comment vous envisageriez de travailler aussi avec eux pour pouvoir, on va dire, mettre plus en avant effectivement cette dynamique qui est pour le coup vertueuse à court, moyen et long terme. Merci. Alors sur le premier point, on est déjà allé faire voyage d'études en Alsace, en Allemagne. C'est super, mais le problème qu'on a, c'est que ça n'a jamais arrêté en fait la consigne. Donc c'est complètement dans les mœurs et dans les habitudes que le produit soit un peu plus cher en rayon, donc ça peut être de l'ordre de 30 centimes, et que en fait on vous redonne cette consigne. Donc c'est vraiment le principe de la consigne en Alsace aussi. Et c'est ce que je disais précédemment. La question, c'est est-ce qu'on est prêt à accepter, surtout aujourd'hui, qu'on parle vraiment de pouvoir d'achat, d'augmenter le prix de vente et pour le redonner. Donc il y a cette mécanique-là. Les machines qui sont utilisées en Allemagne et en Alsace, assez fréquemment, ça on prévoit d'en installer chez nous.
Donc on est en contact avec pas mal de fabricants de ces machines, il y a plusieurs réseaux qui existent. Ça sera quand on mettra un pied dans la GD, dans la grande distribution, parce que c'est indispensable, on sera plus, il y a de trop gros volumes, donc c'est évident qu'on ne pourra plus être avec nos jolis casiers à l'entrée du magasin. Enfin, on pense qu'il faut directement avoir des machines de déconsignation dans la grande distribution. Mais bon, si vous avez d'autres idées, en tout cas, pour pousser les bonnes pratiques, vraiment, on prend. Hein. Sur le deuxième point, c'est quoi les freins ? Il y en a beaucoup. En fait, ce qu'on voit bien, mais c'est comme sur d'autres sujets, quand il y a eu l'interdiction des plastiques jetables, des pailles, quand il y a une contrainte légale, c'est facile, tout le monde y va. Là, il y a une première pression avec la loi AGEC, donc il y a une première incitation à y passer, surtout pour les gros metteurs en marché, les producteurs qui font des gros volumes. À partir de même 2023, certains vont devoir justifier qu'ils ont mis sur le marché 5% de choses réemployables. Donc ce n'est pas forcément que des bouteilles, ça peut être leur carton, ça peut être différentes choses, mais il y en a assez peu qui sont concernés tout de suite. Après, à vrai dire, c'est pas aberrant, parce qu'il n'y a pas forcément l'offre qui en fasse tout de suite. Donc si on avait dit, vous êtes obligé aujourd'hui d'utiliser des bouteilles réemployables, nous, on ne saurait pas y répondre. Donc c'est un peu normal que ça se fasse progressivement. Mais il pourrait y avoir un peu plus d'incitation. Et encore une fois, ce qui aiderait vraiment cette démarche plus vertueuse, c'est qu'on flèche une partie des aides attribuées au recyclage au réemploi. Juste une partie, parce que le recyclage doit continuer à tourner et doit continuer à être aidé. Et cette partie-là aiderait à faire un fond de roulement pour que ça fonctionne. Mettre de l'huile dans les rouages, vraiment. Des freins, il y en a plein. Il y en a plein tout le temps, sur tous les maillons de la chaîne. Du côté des producteurs, c'est ce qu'on disait, c'est l'identité dans la bouteille, le marketing. Donc effectivement, il faut qu'ils acceptent de mettre leur identité dans d'autres choses, dans l'étiquette. Aussi, ils peuvent enlever leur capsule. Non, ils ont le droit légalement de l'enlever, ce qui n'était pas le cas avant. Il y avait l'obligation avec la Marianne. Ils peuvent enlever la capsule et du coup, ils peuvent faire des choses originales avec le bouchon qu'on voit en transparence. Ils peuvent aussi rajouter d'autres choses au niveau de... Donc, ils peuvent inventer aussi différentes choses. Ensuite, bon, après, c'est aussi un véritable outil de communication. Là, les producteurs, les vignerons qui se lancent dans le réemploi, ils ont un peu des braquets de projecteurs quand même. Et ça leur ouvre... Là, les journalistes aiment bien ce sujet en ce moment. Ensuite, sur les points de collecte, le problème, c'est le stockage. Parce que ça fait du boulot en plus, finalement, aux employés du magasin, alors qu'ils ne sont pas obligés de le faire. Ils sont obligés pour d'autres choses. Je sais pas, les piles, les choses comme ça, il y a des choses qui sont obligatoires. Ça, ce n'est pas obligatoire. Donc, c'est vraiment une volonté de leur part d'apporter un nouveau service à leurs clients. C'est vraiment ça, en fait. Et il y a des clients, là, on voit des reports de clientèle. Parce qu'on voit des reports d'achat vers des bouteilles réemployables, déjà en rayon, c'est assez visible. Entre des petites bouteilles de bière et des grandes. Et on voit des gens qui nous envoient des messages et qui nous indiquent que leur magasin ne faisant pas le réemploi, ils ont vu qu'à côté de chez eux, il y en avait un autre, et du coup, ils vont là-bas. Il faut aussi se dire qu'il y a ça progressivement. Et ensuite, d'autres freins, le stockage en magasin. Les flaconniers, oui, c'est une vraie question. Alors, c'est intéressant parce que il y avait Ralia, par exemple, vous connaissez sans doute le secteur du coup des verriers au Ohio. Il se trouve qu'on a été invité il y a 2 jours, on a visité Ohio à Béziers et on a eu un accueil vraiment génial. Mais comme nous, on imagine, parce qu'on est complémentaires, c'est-à-dire qu'on aime le verre. On veut qu'il y ait des reports, que les gens n'utilisent plus le plastique, n'utilisent plus le Tetra Pak, mais aillent sur du verre. Donc on travaille dans la même direction. Une partie ira vers nous, la majorité ira vers les verriers, mais c'est performant, c'est plus sobre, c'est plus vertueux globalement. Le lobby du plastique vous accueille de la même manière ou pas? On ne les connaît pas. Très franchement, on ne les connaît pas. Après, l'avantage du plastique, c'est léger aussi. Mais c'est un vrai problème, parce qu'on va devoir arrêter. Donc il faut se faire à l'idée qu'on va devoir arrêter. Donc arrêtons progressivement. C'est sûr, quand on exporte, les vignerons, par exemple, qui sont que à l'export, ils ne vont pas prendre nos bouteilles qui sont plus lourdes. Globalement, elles doivent être plus lourdes pour être plus solides. Donc ils vont prendre des bouteilles allégées pour l'export, évidemment. Et c'est pareil pour le plastique. Non, on ne parle pas aux gens de plastique. Vous avez de la chance. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, bonjour. J'ai une question sur votre business model, parce que vous ne l'avez pas évoqué. Et la question, c'est qu'est-ce que vous vendez? Est-ce qu'en fait, vous êtes revendeur des bouteilles? Est-ce que vous vendez un service d'accompagnement? Et par ailleurs, alors, j'imagine que ça varie beaucoup en fonction du prix du gaz, qui du coup se retrouve dans le prix du recyclage éventuellement. Mais est-ce qu'il y a une incitation forte
hors guerre en Ukraine, pour les vignerons par exemple, à choisir les bouteilles normées sur lesquelles vous êtes mis d'accord plutôt que d'autres bouteilles sur le marché? Alors, le point de départ, c'est de se dire que notre business model, c'était de se dire que le business model reposait sur des bouteilles lavées, revendues. Donc on était convaincus que c'était ça l'idée. Sauf que quand on a fait nos calculs et quand on a vu au rythme auquel revenaient les bouteilles, on s'est dit on va mourir avant. Parce que ce que je disais, c'est qu'en gros, on est à l'équilibre avec 1,5 million de bouteilles par an lavées, revendues. Donc on ne pourra jamais accompagner assez de producteurs qui mettent sur le marché, qu'on récupère dans ces volumes, là en un an et demi, et le temps qu'il faut pour rembourser nos prêts bancaires, etc. Donc on a dû se rendre à l'évidence que cette démarche vertueuse, alors certes, on n'est plus association, mais en fait, elle doit être portée par un petit peu tout le monde. Tous ceux qui ont envie que ça existe, c'est une filière, et il faut que tous les maillons de la chaîne puissent contribuer à leur mesure, sans que ce soit des tarifs trop draconiens. Donc on a essayé que ce soit assez juste, mais que ce soit suffisamment pour justifier le temps qu'on passe sur différentes choses et qui stabilise le business model. Ça ne veut pas dire que... Alors, pour vous dire, par exemple, au démarrage, on accompagnait les vignerons totalement gratuitement. Donc on donnait notre cahier des charges, qui a d'ailleurs beaucoup évolué depuis, puisqu'on s'est professionnalisé. Parce qu'on fait quand même de la R&D aussi en même temps. Donc on améliore aussi ça, et c'est aussi beaucoup de temps. On fait beaucoup de sensibilisation. Là, le temps que je passe, évidemment, ça ne peut pas être rentable. Mais on n'a pas envie de s'arrêter pour autant, parce que c'est essentiel pour qu'on prenne conscience qu'il faut aller vers ça. Donc pour que ça fonctionne, on a décidé que la prestation d'accompagnement, on la rendait payante. Donc on a fait un prix un peu forfaitaire. Et en fait, tous nos collègues en France arrivaient à la même conclusion au même moment. Donc ça tombait plutôt pas mal. Parce que, en gros, c'est 2-3 jours de boulot. On appelle les imprimeurs, on appelle les vendeurs de verre, on vérifie les BAT. Et maintenant, on va jusqu'à une forme de certification. Donc on délivre un certificat indiquant telle cuvée, telle gamme est réemployable parce qu'elle répond à toutes ces caractéristiques-là. Donc il y a effectivement maintenant une prestation d'accompagnement et une cotisation à la filière. Donc on serait association. C'est évident qu'il y aurait une adhésion à l'association. On en avait précédemment. Maintenant, on parle plutôt du coût de cotisation qu'on a mis en place donc, en fonction des volumes mis sur le marché, des chiffres d'affaires. Pour les magasins, c'est en fonction de la taille. Donc on a essayé que ce ne soit pas trop un frein. Et encore une fois, on peut discuter parce que ceux pour qui c'est vraiment un frein, on se dit non, il ne faut pas que ce soit un frein, il faut quand même y aller. Donc on a mis des prix, une cotisation qui alimente finalement la filière et qui aussi fait qu'on est dans une grande famille. C'est-à-dire ceux qui intègrent le réemploi, ils rentrent dans la filière, ils rentrent dans la grande famille et on fait de la mousse tous ensemble. J'ai une collègue qui arrive juste. Une deuxième Sophie dans l'équipe. Et... Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc, effectivement, du coup, une fois qu'un vigneron, par exemple, rentre dans la filière, ça veut dire qu'au-delà du fait qu'il contribue, il y a une cotisation qui contribue à la réussite de la filière, mais c'est aussi qu'on lui apporte, on l'intègre à un catalogue de producteurs réemployables, on le met en relation avec nos circuits de distribution, ici ou ailleurs. Par exemple, il y a le nouveau réseau qui émerge, je sais pas si vous connaissez le Fourgon, par exemple, à Nantes et à Lille et à Lyon demain. Ils font du porte-à-porte, ils livrent que des bouteilles réemployables. Donc ça, c'est des nouveaux réseaux de distribution aussi qui n'existaient pas il y a encore 2 ans. Donc on met en relation avec des nouveaux distributeurs possibles aussi. On fait de la communication sur tout notre réseau. Enfin, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, on communique régulièrement sur un nouveau vigneron, un nouveau brasseur, un nouveau magasin, parce qu'on met tout ce monde-là en relation, en fait. Donc on valorise tous ceux qui s'y engagent. Et on fait en sorte que les magasins référencent plus de producteurs réemployables, que les producteurs soient référencés au bon endroit, et que là où ils sont distribués, les producteurs, on fasse en sorte d'installer ces lieux comme point de collecte, s'ils sont suffisamment gros, ou alors que les producteurs s'organisent pour collecter eux-mêmes. Enfin, il y a différentes formules. C'est le gang du réemploi, en fait. C'est le gang du... Moi, je parle de famille, mais t'as raison, c'est mon côté mère de famille. Le gang. On avait une dernière question. Bonjour et merci. Moi j'avais une question parce que vous disiez tout à l'heure que vous aviez d'autres collègues à l'échelle nationale avec d'autres structures et je voulais savoir à quel point vous mutualisez les réflexions et est-ce que ça pourrait pas être un outil justement pour rediriger les aides qui sont aujourd'hui attribuées au recyclage. Enfin, est-ce que vous portez des actions collectives comme ça à l'échelle nationale? Alors à l'échelle nationale, il existe déjà une association qui s'appelle le Réseau Consigne, qui est un peu une association de lobbying, mais qui n'est pas du tout que sur le réemploi du verre ni des bouteilles, mais sur le réemploi au sens très large. Donc on est bien sûr adhérents, et on compte beaucoup sur eux pour faire pression auprès des députés, etc.
Après, par ailleurs, il y a des gens qui font exactement le même métier que nous et qui ont une approche terrain comme nous. Donc nous, on est vraiment ancrés sur notre territoire. On connaît bien le terroir presque, je dirais. Et donc on a des collègues, en gros 10, à être au même stade de maturité aussi. Donc je peux les citer bout à bout à Nantes, au La Consigne dans les Hauts-de-France, Rebouteille à Lyon, J'aime mes bouteilles dans le Jura, Alpes Consigne, L'Incassable à Marseille, La Consigne de Provence en Provence, Hoc Consigne, Consigne-up à Toulouse. Ah, j'en ai oublié un. Ah, tu connais bien la famille quand même. Hein. Ah ouais, quand même. Ah mince, j'en ai oublié un, c'est embêtant quand même. Il y en a toujours un ou deux qu'on oublie dans les cousins-cousines. Ouais, c'est vrai. Non, mais ils sont sympas, ils bossent bien quand même. Non, puis effectivement, donc on se voit très très régulièrement. On a des réunions de travail toutes les semaines, voire plusieurs. Parce que l'idée, c'est d'avoir des pratiques un peu homogènes et de qualité. En fait, faire monter en qualité ce qu'on fait, tous ensemble. Il y a des expériences qu'on fait. Donc certains ont eu des financements publics sur des... Par exemple, je pense à Bout à Bout à Nantes. Ils ont fait une grosse expérimentation pendant 2 ans avec du financement public pour voir les stockages, l'effet du stockage des bouteilles avec différents types d'étiquettes, comment ça se décolle, comment ça se lave, etc. Donc ça, ce qui est génial, c'est qu'ils nous en font part, en fait. Mais sur tous les aspects, je dirais même développement commercial, parce que le business model, c'est quand même un truc crucial. Il faut qu'on arrive à être à l'équilibre le plus rapidement possible, évidemment. Et on est tous dans les mêmes cas de figure. Nous, on est en SCOP, il y en a qui sont en SIC, il y en a qui sont en SAS. Il y a plein de modèles de société, mais pour tous, on doit être à l'équilibre. Enfin, il faut qu'on trouve notre business model. Donc, on a des échanges de bonnes pratiques et on essaye d'être assez juste au niveau national. Donc, on parle cotisation, donc on essaye d'être assez homogène. Après, on n'a pas tous les mêmes structures de coûts, donc ça peut être un peu différent. Mais globalement, que ça ait un sens. Et s'il y a un truc super qui a été fait par un copain, qu'on puisse le savoir parce qu'on a tous à en bénéficier. Donc ça s'appelle France Consigne, l'association en cours de création. Et on commencera à un moment donné à communiquer dessus. Et France Consigne, c'est des acteurs de réemploi d'emballages en verre qui accompagnent les producteurs et qui lavent, et qui, voilà, et qui collectent. Sur ce France Consigne, on va bientôt avoir 5 laveuses du coup. Et je ne sais plus combien, j'ai plus le chiffre en tête, je crois qu'on a déjà 700 points de collecte à nous tous. Et je crois à peu près 200 producteurs à nous tous, et donc on peut se mutualiser. Parce que la brasserie Moulin d'Ascq qui est produite à Lille, nous on la collecte largement ici, et on revend ces bouteilles-là à la Matzé par exemple qui est dans les Aubes, ou aux bières des Garrigues à Sommières, à la Jonte, à Black Star, à la brasserie du Larzac, tous ceux qui sont ici. Eh ben, comme quoi, il y a du monde partout et il y a de la consigne partout, même si on n'est pas à Montpellier. Merci beaucoup, Sophie. Merci. C'était Sophie Gradiani de Hoc Consigne. Merci. Qui vient clore cette première journée des rencontres inspirantes. On se retrouve demain à 14h pour la suite des rencontres inspirantes. À demain.